Le racisme, c'est très mal. Fin de la vidéo, merci à tous, abonnez-vous. Dans notre monde actuel, il y a beaucoup d'amalgames qui se créent. C'est bien dommage, parce qu'au final, on est tous humains. Mais certains ne le comprennent pas encore. Moi, je ne cautionne pas le fait qu'on puisse rabaisser une minorité de personnes sous prétexte qu'elle n'est pas de la même couleur que nous. N'importe quoi. Bon, les Chinois, c'est différent. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Il y a que les pandas qui ont tout compris. Ils sont noirs, ils sont blancs et asiatiques. Rah, les pauvres. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Non, non, toi, c'est pas de nourriture. C'est tout pas avec la nourriture, on va tuer. T'arrêtes, hein. Il te pue. T'es comment, petit? T'es tout avec ton ziton. T'es pas avec le ziton, hein. T'es un connard, hein. Voilà. Bon, ok, j'arrête avec les Asiates. C'est bon, j'arrête. Bon, bien sûr, tu as du racisme envers les Blancs. Beaucoup moins, certes, mais il y en a quand même. Enfin, bref. Les Blancs ne sont pas tous racistes. C'est de la merde. Même si beaucoup font en sorte de le faire paraître. Désolé, tu veux pas de ton téléphone, s'il te plaît? Ouais, mais tu me le rends après. Je vais pas te voler, hein. Ouais, mais on sait jamais. T'es arabe, faut pas l'oublier, ça. Et donc, toi, t'écoutes quoi comme musique? Je suppose que c'est du rap, genre Gradur, Caris, ou bien du rail, tu sais, des trucs d'arabe un peu. Non, j'écoute du Beethoven, ou du Mozart. Ce sont les épices. Non, c'est du Dior. Ouais, Dior aux épices. Je ne comprends pas les parents qui disent ça. Moi, ma fille, jamais sortir avec un noir ou un arabe. Jamais de la vie. Pourquoi? Je sais pas, oui. Oui, pourquoi? Ah, peut-être que... Bah non. Le je sais pas d'un parent qui dirait non, je ne veux pas qu'elle sorte avec un noir ou un arabe. C'est vrai que c'était assez chelou comme réponse quand même, parce qu'en final, tu sais pas du tout. Tu sais pas du tout pourquoi. Il y a aussi du racisme religion contre religion. Mais ça, je vais pas en parler, j'ai pas envie de me faire buter. Allez, à la prochaine. Je déteste ces personnes qui font ce genre de remarques. Ah, il y a un chinois là-bas. Non, il est pas chinois, lui, il est coréen. C'est pareil, il bouffe du chien. Il bouffe pas du chien, pourquoi tu dis ça? Vas-y, bah, hé, les brides et tout ça, il bouffe du chien, ça. C'est comme si tu disais, les chinois voient la vie de travers. Aussi. Ça arrive que des personnes fassent des signes un peu fascistes sans s'en rendre compte. Mais c'est sans faire exprès. Enfin, je pense. Ah, quelle belle journée pour être raciste. Salut. Salut. Excuse-moi, je veux le champagne. Elle est là-bas. Starfoula. Starfoula. Non, non. Ah, non, mais c'est pas ce que tu crois. Starfoula. Il y a aussi des amalgames sur les vendeurs de produits stupéfiants. Pourquoi obligatoirement, ils seraient noirs ou arabes? Je ne comprends pas le truc. Excuse-moi, je te rappelle un petit site. Que là, je suis dans les besoins, gros. Ah, bah, ce n'est pas ta mère, j'ai pas de shit. Là, tu crois que je vendais du shit pour Ricard? Mais t'es arabe. Ce n'est pas ta mère, pas arabe, si tu pas. Je vends pas du shit. T'as pas du tagine? J'ai pas du tagine. Putain. Ça se passe, ça. Moi, je. Non. Il y a certains amalgames, voilà, c'est comme ça. C'est. Voilà, c'est. Voilà, quoi. C'est comme si on dit les Turcs bouffent tous du kebab. Ce qui en soit très vrai. Moi, j'ai des origines portugaises, c'est pas pour autant que je construis des murs ou des bâtiments tous les jours. Bon, ok, ok. Si je me rase, je perds 10 kilos. Mais ça, c'est typiquement portugais. On le sait très bien. Les femmes ont de la moustache. Eh ben vas-y, continue. Vas-y, allez. Donc c'est ce que je disais. J'ai dit les arabes, c'est pas tous des voleurs. Bah, mais oui. Faut arrêter les amalgames comme ça. C'est comme si tu disais, un arabe, c'est un terroriste. Je suis pas d'accord avec ça. Ouais, bah, oui. Moi, je ne cautionne pas le fait qu'on dise que tout ça, c'est voilà, c'est n'importe quoi. Bah, t'as exactement. Exactement. Mais exactement. Bon, on se capte à l'air. Ouais. Vas-y, y'a pas de problème. Si, gros, t'as trop mon meilleur pote, lui. Mon téléphone. Putain, c'est un noir qui m'a volé. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est super. Voilà. Pas de minorité, nous sommes tous égaux, libres et en droit. Liberté, égalité, va te faire niquer. Et à la prochaine. Salut. Abonne-toi à ces casse-couilles là. Tu peux rester comme ça pendant une heure. C'est pas un noir qui est en train de voler là-bas? Ça vole pas les noirs, pas d'aide. Je suis une licorne qui mange des picoris.